il n'y a pas de joie particulière à avoir. Il n'y a pas à être heureux d'un tel événement. On ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Lou Hardy, ça fait son travail, il l'a bien fait. Rappelez-vous cela, notre combat ne mérite d'être mené que si nous le menons avec les valeurs qui sont les nôtres. Sous-groupement, garde vous. Aux ordres des chefs de peloton et chefs de section. Sur les 10 victimes, 8 sont du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres. Un reportage exclusif aux côtés de soldats de ce même 8e RPIMA. Paul Comity les a suivis il y a 2 semaines dans la région afghane où se sont produits les affrontements d'hier et cette nuit. Un reportage qui montre à ce moment-là déjà une situation extrêmement tendue. Ils viennent sécuriser un village au nord de Kaboul. Des femmes et des enfants, ils se cassent en courant. Mauvais signe. On dégage. Quelques secondes plus tard, et un contact à l'est de ma position. Une batterie de tir, une embuscade des talibans. 21, je suis fixé. Les soldats français sont pris en tenaille. Il y a le portail bleu, tu démontes. Attention à nos mecs aussi, que ce soit à droite. Allez, on va faire un tour. Putain, merde. Les balles des talibans fusent sur le sable, à quelques centimètres des Français. 1h15 de tir nourri. Enfin, des renforts postés sur la montagne tirent un missile sur la position des talibans. De quoi se replier, il était temps. Ce jour-là, aucun blessé parmi les Français. Ceux-là ont eu de la chance. De sa mère. Je sais pas d'où ça vient. Tout ce qui est autour du village, à part des gamins, tout ce que tu vois bouger, feu. C'est super mal, on est super mal placé en fait là. Hein. Là on est complètement fermé apparemment. Mec, à droite. Où ça? Ok. Allez, non, mais non, tiens, j'ai là. Ça tire derrière. Où ça? Là-bas, là. Ça tire par là-bas, là. Envoie un coup. Comme ça, il va voir la poussière derrière. Ok, je l'ai eu. Tu l'as eu? Ouais, il était derrière la baraque. Derrière, du monde derrière. Ok, tu me dis quand t'es prêt. Ça a une vingtaine de talibans. Il y a eu une embuscade. Donc les sections sont tombées dans une embuscade. Alors que Maxime est en première ligne. Merde,
Tu l'as insulté le mec, hein, c'est bon. Non, non, il n'y a pas de riposte. Attention à qui vous avez en face. Identification. Dégage. Deuxième bombe. Nickel. Ce jour-là, selon nos sources, une centaine de talibans auraient été éliminés.